بقالي انزل يا ملابي بابي يا ملامبو مين تشاكي نجمدو مبو ويكو انشي مون بيبي بي مون شلي بي ملا اي بابي نونشي انشي Oui, moi, on s'en met mieux fait un tien ou que les gars de Chimou. Mon zot, un bel boy, mon bonnie, pour le poignet, la belle, mon comme un poulet. C'est mon indécis, mon zot, pour le poignet, pas de slip, mon tien chou. Ah, oui, à vous. Bonjour, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où tu te trouves. Un petit message de la part de Mène HTTB de Bangkok depuis Londres. J'espère que tu vas bien. Avant toute chose, nous rendons gloire au Seigneur qui nous maintient le souffle. Nous disons honneur aux ancêtres qui y veillent. Je ne sais pas où est passé mon direct d'hier. J'espère que cette fois-ci, ça tiendra. Juste un message pour toi qui traverse vraiment des moments difficiles. Pour toi qui traverse des moments difficiles, qui pense que tout est fini pour toi. Non, tout n'est pas fini. Tant que tu as ce petit souffle, que le Seigneur te maintient, vraiment, il faut toujours croire. Il faut toujours croire. Il faut toujours croire que demain est un autre jour. Et que tant qu'on aura ce souffle-là, nous avons toujours la possibilité de nous lever, de nous relever, puisqu'on est par terre, puisque toi, tu te trouves dans l'obscurité en ce moment. Puisque toi, tu penses être totalement par terre, mais qu'à cela ne tienne, ne choisis pas. Oui, ne choisis pas. Parce qu'on peut même choisir inconsciemment. Même inconsciemment. Donc, inconsciemment, le fait de penser, à force de penser quelque chose, inconsciemment, ça peut arriver. Donc, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Moi-même, je suis la première. Comme hier, j'ai eu un message, je n'ai pas su me contrôler. Mais nous restons des humains. D'où, quand moi-même je travaille des situations comme ça et que j'arrive à trouver une petite astuce pour me relever, donc j'ai pour mission de venir aussi booster une autre personne. Parce que moi-même, les conseils, comme je dis toujours, ce que je donne, j'essaie de l'appliquer sur moi-même, ce qui n'est pas évident. Donc, même quand il y a des situations où tu penses ne plus avoir de contrôle, garde toujours espoir. Garde toujours espoir. On a toujours la possibilité. Vous voyez, souvent, il m'arrive, on voit une vidéo que j'ai posté en dansant. Et quand quelqu'un verra cette vidéo, peut-être se dira que, oh là là, quelle. Mais peut-être que je viens même de recevoir une mauvaise nouvelle, que je viens de traverser un moment difficile, mais il y a une chanson qui me passe par la tête, où je tape souvent sur YouTube, je trouve une chanson, ça me remonte le moral. Vous voyez, c'est ça, ce qui fait que j'ai au moins, pendant ce moment-là, j'ai dominé la situation. Alors que si je continuais à me poser une question, comme tout à l'heure, je disais, au lieu de se demander pourquoi moi, il faut se dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ça devrait arriver à l'autre? Et pourquoi pas toi? Et pourquoi pas toi? Si ça t'arrive, il y a une raison. Il y a une raison. Peut-être que c'est une leçon. Peut-être que tu as mal fait quelque chose et on veut ce message-là. Qui, par ce qui vient d'arriver, c'est pour te dire que la prochaine fois, il faut faire les choses autrement. La prochaine fois, il faut voir les choses autrement. Comme la réaction que j'ai eue hier, vraiment, j'ai eu cette réaction hier, en plus en public, alors que j'aurais dû me contrôler. Donc après, je me dis que dans ce message, je vais retirer du positif. Donc prochainement, il va falloir que j'apprenne à me contrôler. Donc ce n'est pas parce que, justement, je viens de dire ça parce que, ce n'est pas parce qu'on délivre souvent certains messages que ça veut dire que nous ne pouvons pas être sujets. Si. Mais au moins, c'est une forme d'encouragement, de motivation, de dire que il y a des jours, comme on dit, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais quand c'est un jour sans, ou même une heure sans, ou même une minute sans, parce que ça peut être une minute à l'autre, on peut changer comme ça. Je peux être là, mais pendant que je fais cette petite vidéo de motivation, quelques minutes après, les choses changent. Mais comment est-ce que je vais pouvoir gérer cette minute-là? Comment est-ce que je vais pouvoir gérer cette seconde, gérer cette heure-là? C'est ça le plus important. Il faut toujours, il y a des armes qui sont en nous. Tout est en nous. Donc nous pouvons aller au fond de nous,
trouver une arme pour pouvoir combattre cet instant qui va nous bouleverser. On ne sait pas c'est une nouvelle, on ne sait pas c'est une situation, on ne sait pas ce que c'est. Mais au fond de toi, tu peux toujours trouver des ressources pour t'en sortir. Voilà, je voulais juste faire ce petit message pour dire, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. On peut être là même dans cette situation. On se dit que oui, je devrais faire quelque chose, mais je ne peux pas pour telle ou telle raison. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que ce n'était pas le moment. Moi-même qui parle en ce moment, je devrais être quelque part, mais je n'ai pas pu y être. Mais avec le recul, c'est vrai que sur le coup, je n'ai pas dit que oui, ça m'a fait trop plaisir. Ou bien même là, je suis totalement content. Mais avec le recul, on essaie toujours de se trouver une raison. On se dit que ça ne devait pas être le moment. Il me faut encore du temps, peut-être pour mieux me préparer, pour aller là où je devrais aller en ce mois de novembre. Donc on se retrouve, on trouve toujours des ressources en nous pour pouvoir se relever. Et comme je dis toujours, celui-là, tant que on a cette respiration-là, ça, tant qu'on a ce petit souffle-là, tant qu'on a cette possibilité de pouvoir réfléchir et penser autrement et revoir notre manière de penser, n'hésitons pas. Parce que celui-là qui va totalement dire non, je n'en peux plus. Oui, il y a des moments où on dit non, ça c'est trop, mais relève-toi. Lève-toi, oui, c'est difficile, j'imagine. C'est difficile, je vous assure que celle qui est devant vous là, elle sait de quoi elle parle. Mais on garde toujours l'espoir. Parce que personne n'a jamais vu une journée qui dure 24 heures. Même si la journée va durer 23h59, même la minute d'après, ça sera la nuit. Vous voyez? Donc, il faut toujours qu'il y ait un peu d'obscurité. Quand il fait jour, il fait nuit. Donc, c'est normal. Ce n'est que normal qu'il nous arrive des moments où des moments de difficulté, des moments où on se pose des questions. Mais sauf que faut que ces moments-là ne soient pas éternels. Faut que ces moments-là ne durent pas trop. Il faut qu'on arrive vraiment à se relever. C'est quand tu vas vraiment baisser les bras. C'est quand tu vas te dire que tu n'as plus la possibilité. Mais accroche-toi, même si c'est un canapé, même si c'est une chaise, même si tu es par terre, tu as du mal. Accroche-toi sur quelque chose pour ne pas totalement sombrer. Accroche-toi. C'est quand tu seras totalement par terre que tu vas dire non, tu ne chercheras pas, tu n'auras pas, tu ne fouilleras même pas dans ton esprit pour trouver quelque chose, pour trouver un moyen pour te relever. C'est là où tout serait perdu. Non. Tout reste à venir. Hier, c'était le 29. Et ce 29 novembre 2022 ne viendra plus jamais. Mais demain, c'est le premier. Demain, c'est un autre jour. Même tout à l'heure, ce soir, il est 14h19. Peut-être même à 14h30, là, je peux avoir une nouvelle qui peut totalement bouleverser ma vie, positivement ou négativement. Mais il faut être préparé mentalement que tout ce qui arrivera, on l'affrontera. Oui, mais comme on reste humain, comme je l'ai dit, il y a des moments où on perd, comme on dit, on perd entre guillemets les pédales. Oui, on peut perdre les pédales. Mais quelques instants après, on trouve la force aussi toujours de se relever. Je suis sûr que toi, malgré toutes les difficultés que tu traverses en ce moment, tu trouveras la force. C'est mois de décembre qui te reste pour que l'année puisse finir. Accrochons-nous. Même si, jusqu'ici, les 11 mois là qui sont en train de s'écouler, peut-être qu'on n'a pas réussi à pouvoir du moins trouver les résultats par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif, restons toujours positifs. Disons qu'il reste encore un mois. Il reste encore un mois. Et ce mois-là, nous allons nous battre. Et ce mois-là, tu vas te battre. Et ce mois-là, tu vas continuer à espérer. Tu vas continuer à espérer jusqu'au 31 décembre, jusqu'au 1er janvier, 0001. Mais tant que tu peux respirer, tant que tu peux penser, tant que tu peux réfléchir, garde l'espoir. Tout est en toi. Tout dépend de toi. La force est en toi, n'oublie pas ça. Tu peux t'en sortir. Oui, tu bois le noir en ce moment, mais sache que il y a beaucoup. Et c'est ça aussi. Souvent, on croit que notre situation est la plus désespérée du monde. Non. Il y a toujours pire que nous. Il y a toujours pire que toi. Il y a tout pire que moi. Et si on s'y accroche, si on met tous les moyens, si on fuit entre nous pour trouver les ressources nécessaires, on finira toujours par se lever. On ne restera pas par terre.
Celui-là qui a perdu, c'est celui-là qui restera par terre. Mais toi, je suis sûr que tu ne resteras pas par terre. Oui, nous avons encore un mois. Oui, pour, peut-être qu'on n'atteindra pas 100% de nos objectifs, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il faut toujours croire. On a encore un mois, 31 jours devant nous, pour pouvoir au moins se rapprocher des objectifs qu'on s'était fixés au début de l'année. Et même, si ce n'est pas le cas pour cette année, si Dieu nous prête vie, si celui-là qui nous maintient le souffle nous accorde la grâce pour que nous puissions rentrer en 2023, rien n'est fini. Rien n'est fini, même en 2023, on pourra toujours renouveler. Puisqu'on va rentrer en 2023 avec plus de force, plus d'énergie, plus d'entrain. Et on saura comment, avec les erreurs que nous avons commises en 2022, on saura corriger ces erreurs pour que en 2023, on sache comment faire. Et le plus rapidement, au lieu d'atteindre un objectif qu'on s'était fixé, qu'on devait l'atteindre en 3 mois, avec toute l'expérience, avec tout ce qui nous est arrivé de négativement, qui constitue l'expérience, avec cette expérience-là, on pourra, en moins d'un mois peut-être, au lieu de 3 mois, atteindre un objectif qu'on devrait normalement prendre 3 mois pour l'atteindre, tu vois. Tout ce qui nous arrive, ce sont des expériences. Tout ce qui nous arrive, c'est pour nous montrer le chemin, pour nous guider, pour nous faire comprendre peut-être qu'il fallait refaire les choses autrement. Alors, toi qui m'écoutes, vraiment, je te souhaite une année. Je te souhaite d'abord le mois de décembre, fructueux. Que le mois de décembre, là, t'apporte vraiment, te permette en tout cas de te donner l'énergie qu'il faut, l'énergie, tout ce que tu as besoin que tu puisses avoir, que tu, même si tu te trouves vraiment, comment dire, plus bas que terre, non, relève-toi, tiens bon, garde toujours le sourire, même si à l'intérieur ça peut être en train de bouillir, mais garde le sourire parce que tu sais que peut-être que celui-là qui en face ou celle-là qui en face n'aimerait pas te voir avancer. Quand tu gardes ce genre de sourire, la personne se trouve mal. Parce que la personne aimerait te voir avec un visage tout triste. Mais quand tu gardes déjà ton sourire, c'est déjà une première victoire. Que malgré le fait que l'intérieur est en train de bouillir, mais tu montres toujours avec un joli sourire que tu tiens bon, Sourire, même mentalement, tiens bon. C'était Mène HTTB de Bankongi. Tiens bon. Tenons bon et nous arriverons. Tant que nous avons le souffle, nous arriverons. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est quand c'est dur, quelqu'un avait dit, c'est quand c'est dur que les durs y arrivent. Alors, même comme c'est dur en ce moment, toi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es un dur. Tu es une, comme on appelle un dur. Tu vas y arriver. Nous allons tous y arriver. Tout ce qu'on peut demander, c'est que le Seigneur maintienne le souffle. Et beaucoup de courage à ceux-là qui traversent vraiment des moments difficiles. À ceux-là qui sont couchés dans un lit d'hôpital. À ceux-là peut-être qui sont à la recherche d'un enfant. À ceux-là qui sont peut-être à la recherche d'un toit. À ceux-là qui sont peut-être à la recherche des papiers pour être régularisés. De moi, beaucoup de courage à toute personne qui m'écoute, qui traverse des moments difficiles, endeuillés, malades. Autrement, ou même juste un partenaire de vie, qui sinon, tout peut arriver. Ne perds pas espoir. Babe, si vous avez un boulot, tout aussi long, bouambo, aussi pronk, aussi lemon, nga, nous coyons tous en bois, nous coquons que pousse l'on tous en bois, nous coquons que nganga, tous en bois, nous coyons un tombeau, nous comment que ma tombe, mais ouais, c'est tombeau. Un tombeau, à mon bout, tu n'aurais pas un tamo, mourir, un fourneau, un tronc. Un tronc. Je suis un peu plus de temps.
Je suis nommé le nom de l'école. Je suis nommé le nom de l'école. Aussi tu vois, à gumbo l'ango en bola, au lèvre, au monde d'or, au fusil, au monde d'or, bambou, mon colère, je colle, boum, mota, on, que je m'asse en mota colle, au nain, bon, un jeune, allez, ça, d'amo, aussi point courant, je colle, colle, au co, aussi c'est mon jeune bon drôle, aussi c'est un quasi bon, on nous va que nous jouons bon drôle, de, hey, moi la wama, qu'on a bon, un jeune, que les jeunes, je me sens, je me conjure bon drôle, bitch, mon banco, assi mota, ou la quoi, ou la toi, ou la colle, ou un jeune drôle. Mon gamin demeure aussi point court, aussi point beau. Zé, mon désiré, un zé, mon zé, ton chien, mon zé, ton pire, mon compte, ouai, moi, maman, Mon gamin demeure aussi point court, aussi point beau. Zé, mon désiré, un zé, mon zé, ton chien, mon zé, ton pire, mon compte, ouai, moi, maman, mon oli, un zé, mon oli, un zé, colo, tient, pour, si, que, pour, quoi, nous, debout, un ganga, un bantam, un mongu, 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 un bantam